Bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous parler de ce que j'ai fait ce matin. Alors, ce matin, j'étais sur Internet et j'ai fait plusieurs choses. J'ai regardé notamment une vidéo de vagues géantes terrifiantes vues d'un bateau cargo. Alors, j'ai pas Internet chez moi, j'ai un code Wi-Fi que j'ai obtenu grâce à des relations familiales. Du coup, Internet est très lent et tout passe pas par des câbles, mais par du Wi-Fi. Du coup, par des ondes électromagnétiques. Ça me fascine beaucoup d'imaginer que tout est dans les airs en train de se promener tranquillement pendant que moi j'attends que ma vidéo de cargo se charge. Du coup, j'essaie d'avoir une relation amicale avec le Wi-Fi. J'ai de l'apprivoiser. Alors, ce matin, j'ai pris cette photo. C'est ce que je vois par la fenêtre et j'ai essayé de l'imaginer arriver par ma fenêtre. Après, j'ai fait des recherches plus approfondies. Je suis tombé là-dessus. Le Wi-Fi a des, enfin, les ondes électromagnétiques ont des propriétés assez intéressantes. Je ne sais pas si je peux zoomer. Vous arrivez à lire? Ouais. Ça a l'air bon. Du coup, le Wi-Fi, soit il est réfléchi par certains matériaux. Non, en même temps, il est réfléchi et en même temps, il est absorbé. Et après, ça dépend, par exemple, dans l'air, il est pas du tout absorbé. Non, pas du tout réfléchi. Il passe comme très facilement. Dans le bois, c'est faible. Dans les briques. Par exemple, dans la céramique, ça passe. Pas très bien à travers, donc je suis allé dans ma salle de bain pour essayer de refaire la même expérience et j'ai regardé une vidéo de grue qui casse en direct et j'ai pris une photo du moment où le Wi-Fi passait péniblement à travers la céramique. Du coup, ensuite. Ah oui, alors le Wi-Fi passe à travers les corps humains, les êtres vivants. Je reviens là-dessus, c'est intéressant. Les animaux, la végétation. Du coup, il y a une partie qui réfléchit, mais une partie qui est absorbée. Du coup, on est sans arrêt en train d'être traversé par des conversations, des matchs de foot, des choses. C'est assez beau, je trouve. Du coup, ah oui, alors j'ai trouvé ça aussi sur Internet, on peut acheter du papier peint anti-Wi-Fi. Donc ça existe vraiment. Mais je comprends, il y a peut-être des risques sanitaires, je suis pas trop calé sur le truc. Il y en a aussi chez Castorama. Ah oui, alors donc du coup ce matin j'ai fait une autre expérience. J'ai demandé à un ami s'il voulait parler avec moi sur Internet. Pendant que je bloquais l'accès au Wi-Fi par des êtres, enfin par des fruits. Du coup, voilà. Donc le Wi-Fi est passé à travers ces clémentines. Je trouve ça assez joli. Donc il m'a raconté ses rêves, ses histoires. Ensuite, j'ai cherché des photos de tabourets standards. Donc en fait, je vais vous proposer de pouvoir déguster les fruits. Là, j'ai regardé une vidéo d'un concert qui est passé à travers les pommes. Enfin, j'espère. J'ai mis du. Donc, j'ai emmené les quelques. Alors, on n'a pas le droit de manger dans cette salle, donc je vous demanderai si vous en voulez, si vous avez goûté les fruits qui ont été exposés aux fréquences, de les prendre avec vous et de les manger plus tard. Et ensuite, des bâtons de surimi pendant que j'écoutais France Culture. Enfin, des bâtonnets saveur crabe. Voilà, donc je vais faire passer les aliments. Merci.
Alors ça, c'est les pommes. Le concert, c'était Sleep au Hellfest. Je vais vous montrer une petite vidéo. Ah oui, alors ça, c'est j'avais choisi des téléchargements illégaux à travers mon cerveau. Chez moi, c'est pour ça que ça fait des bruits. Voilà, j'ai fini. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel.